Salut tout le monde! Bienvenue sur la Jibe TV pour une émission un peu différente ce soir. Oulala, pourquoi? Mais pourquoi, mon cher Mais Freeman? pourquoi donc? Eh bien, nous commençons donc notre émission en alternance avec Diablo une semaine sur deux sur Heroes of the Storm. Donc, on en a fait une première partie avec vous la semaine dernière. Et donc là, bah, on va faire des émissions complètes là-dessus, même si ce n'est que l'alpha et donc beaucoup de choses. Changeront au fur et à mesure. Et donc on est parti Some pour games. presque 2 heures. On verra si on s'arrête avant ou pas. Et après, évidemment, vous aurez Schizo pour du On hardcore sur s'arrête Diablo. forcément au moins un petit peu avant, puisque Voilà. ce soir il y a le match. Donc ce coup-ci, tout est revenu dans l'ordre pour le canal IRC. Donc vous pouvez absolument raconter toute votre vie sur le canal, on pourra la lire. Je repasse maître du chat. Le bébé est là pour vous servir. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous demander tout ce que vous voulez, des explications sur le jeu, s'il y a des choses que vous Je t'ai connaissez envoyé pas avec une invite. approfondissement. Ouais. Des champions que vous voulez qu'on essaye. N'hésitez pas. On est Donc, là vu que c'est pour la ça. première émission, on va faire quand même un petit tour vite fait de l'interface, hein, même si Vas-y, c'est ouais. hyper intuitif et il y a pas mal de trucs à dire. Donc, évidemment, vous connaissez comme sur tous les jeux de Blizzard. Blizzard, vous avez votre liste d'amis. Donc là, il se trouve que c'est les serveurs Alpha qui sont aux États-Unis. Donc on n'a pas encore notre liste complète d'amis. On n'a que les gens qui sont sur la Alpha. Mais aucun doute que ça viendra. Vous avez, comme sur StarCraft, le groupe qui est en cours. Parce évidemment, c'est un jeu qui se joue à 5. Donc c'est quand même plus sympa d'être 5 dans un Dans le groupe. même chat. Voilà. Et l'écran d'accueil est très simple, on voit la progression du personnage, donc là moi je suis pas très très avancé, avec ce que vous débloquez au fur et à mesure que vous montez vos niveaux. Et ça, ce qu'ils ont rajouté, je crois qu'ils l'ont rajouté il y a 1 mois ou 2 mois, 1 mois, je sais plus, Ouais, moi, ouais. le Looking for Group, C'est pas mal. qui est pas mal, qui permet de rejoindre en gros, c'est bah voilà, par exemple on est deux, on souhaiterait, je sais pas, être cinq, et bah du coup hop, on invite les gens et puis c'est parti. Donc interface pour l'instant très simple mais qui fait son taf. Donc après on a la partie jouée où vous avez les trois modes de jeu. Practice, donc vous jouez contre le PC. Coopérative, où vous jouez qu'avec des humains contre le PC. Et versus, où c'est des humains contre des humains. C'est ce qu'il y a Enfin, de plus des humains, on sait classique. pas. Ça se trouve, il y a des chats derrière. Va savoir. Et le shop, parce qu'évidemment c'est un free-to-play. Ben oui, faut Et donner de donc, l'argent à Blizzard, ils en il ont pas faut de assez. l'argent. Donc là, ce que vous avez, c'est des prix en fait en gold. Le gold, c'est la monnaie in-game que vous gagnez en effectuant bah, Des quêtes. des parties, des quêtes tous les jours. Il y a le système de quêtes quotidien comme il y a sur Hearthstone, avec une quête par jour que vous pouvez cumuler jusqu'à 3. D'ailleurs, je vais vous le Mais il montrer. faut être level 10 pour ça. Toi, t'es level 7. J'ai pas Non, non, encore non, non, débloqué non. Les ça. daily quests, c'est level 6. Donc vous cliquez sur votre Ah. personnage. Voilà. Et vous avez les daily quests Ah qui oui. Parce qu'après, s'affichent. level 10, t'as des hero quests aussi, qui rapportent encore plein de points. Voilà. Et donc le shop, il y a 27 personnages pour l'instant. Ils en rajoutent, hein, même si c'est la alpha, ils en rajoutent au fur et à mesure. Hein, les 4 derniers ici sont arrivés après la sortie de la alpha. Et donc évidemment, vous avez aussi des skins pour les persos, des montures et des bundles si vous voulez acheter plein de trucs d'un coup moins cher. Donc bah très bien fait, on peut les classer par prix, Ah, par j'en ordre profite pour alphabétique, dire la petite. c'est pas Parce que mal. quand tu cliques sur les héros, tu as cette petite option maintenant qui s'appelle Try. Try. On peut essayer un personnage avant de l'acheter. C'est juste énorme. Vous C'est cliquez. juste énorme. Vous cliquez, vous faites la partie. Voilà, donc là on est en groupe donc on peut pas, mais quand vous êtes tout seul, vous cliquez, vous faites try. Instantanément, il y a une partie qui charge, vous êtes dedans et vous pouvez l'essayer. Et vous avez le contrôle sur toute la partie. Ça veut dire que vous pouvez monter en cliquant sur un bouton votre niveau, vous pouvez faire pop des vagues pour voir par exemple est-ce que votre personnage vous arrivez bien à clear les vagues. Enfin, et vous pouvez vraiment tout contrôler, c'est très 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 efficace. Et donc vous voyez aussi ici. Le petit argent réel, parce qu'évidemment, il Ouais. faut bien gagner des sous. Ouais, sans déconner, Donc, 6 euros le perso, 7 euros le ouais. perso, et le mec qui craque, quoi. Chaque personnage, évidemment, a un tarif, mais c'est à peu près le même hein, dans tous les MOBA.
Là, ce que je trouve un petit peu dommage, en fait, c'est la différence en termes de gold. Il y a vraiment des écarts énormes. Hein. Par exemple, Muradin qui est là à 2000 et Stitches qui est à 10 000. C'est voilà, c'est juste des écarts. On va dire en plus, les prix sont pas basés spécifiquement sur la qualité Alors, du ils sont des perso, en plus. Hein. persos, Elles sont basées sur le hype, sur le la hype du hypeness. perso. Voilà. Donc bah pareil, hein, c'est ils ont fait dans le simple mais efficace, on s'y retrouve, il n'y a aucun problème. Donc c'est parti. Je regarde là, le deuxième skin de Tassadar, c'est un truc en mode Goliath, il est De assez sympa. Tassadar, on va aller voir ça. Ouais. Hop. Tassadar. Donc le système, vous avez vu, de recherche de personnages qui est très très simple. Skin, des couleurs. Et Ah du oui, coup, je en sais. mode Et oui, il est énorme. Mecha Et Tassadar. regarde juste à côté, donc les talents. C'est sympa aussi parce que ça, on n'en avait pas trop parlé. En fait, quand vous levelez, en fait, vous débloquez des talents au fur et à mesure. Et donc là, le fait d'être dans cette fenêtre aussi, vous pouvez tout regarder. Ce que Voilà, vous qu'est-ce débloquez au qu'il y a? level 1, level 4, level 7, jusqu'à level 20. Parce qu'il y a Chaque vraiment personnage, énormément de voilà. connaissances à avoir, encore une fois. C'est un MOBA, évidemment, on est basé sur la connaissance du jeu. Mais alors là, vraiment, votre perso, vous êtes. Comme il n'y a pas d'item, là, vous pouvez personnaliser votre personnage. C'est sur chaque niveau quand vous prenez des talents. Level 1, 4, 7, 10, 13, 16, 20. Donc il y a vraiment énormément de theory crafting derrière, je pense. Évidemment, pour l'instant, c'est l'alpha, Pour donc on n'est pas l'instant, forcément c'est... Ouais, satisfait. moi, je trouve ça un peu brouillon Mais parce bon. qu'il y a chaque personnage a trop de choses, en fait. Donc là, ne serait-ce qu'avec 27 personnages, c'est comme s'il y en avait déjà 100, quoi. Chaque personnage peut Ouais, avoir c'est plein ça. de spécialisations différentes. C'est vraiment très compliqué. Bon, j'avais déjà joué avec Tyrael Moi, je vais et jouer avec lui, Diablo. tiens. Qu'est-ce que je vais prendre? En Tassadar, j'avais essayé, j'aime pas trop. Tassadar, je l'essayerai la partie d'après. Bah, je vais jouer avec Lux. Yeah! Allez, on est parti. Puisqu'évidemment, hein, c'est un MOBA, mais ça révolutionne pas tout. Donc, vous avez toutes les capacités Qui sont à peu près classiques, typiques, ouais. classiques qui sont là, quoi. Que vous Et donc, retrouvez lui, il peut dans avoir leurs sa vie, concurrents. Tyrael. Voilà. Il est assez marrant. Toi, Sur le Witch Doctor, il est sur sympa, là, LOL. Bah, je l'espèce l'ai de jamais loup, joué, là. c'est le seul que j'ai jamais joué dans les trucs qu'il y a là, du coup, c'est pour ça que je l'essaye. Et il Même pose un cercle, en fait, si. où il emprisonne quelqu'un dedans. Et donc ça, en termes de plays, c'est pas mal, même si, encore une Voyons fois, voir. on joue sur des Ah, trop serveurs tard. rukiens. Donc on n'est pas super instant sur le lancement de notre sort. On est pas mal là. Un tank Et à moi, 2 je PS joue en distance, QWERTY un aussi. assassin. Ah, on n'avait pas fait cette map la dernière fois, c'est sympa. En tuant les mobs de la jungle ou à certains endroits, certains moments de la map, il y a des coffres qui pop, vous pouvez récupérer des coins, des doublons. Et en récupérant ces doublons et en les donnant à ce petit pirate, il se passe des choses, qui font des trucs, qui font des choses. Vous prenez Comme le toutes les contrôle maps, d'un hein, il faut petit bot. absolument le faire, hein, Vous débloquez c'est la un base, quoi. petit ship au milieu de la map qui tire aléatoirement sur les tours et les forts ennemis de façon assez radicale. Donc en effet, se prendre ça dans la tête, c'est pas cool. Et donc comme le disait Freeman, toutes ces maps, il est quasiment vital, hein, de récupérer ce qui fait la map, même s'il y a certainement des five-man push par exemple qui peuvent passer, mais non, ça on verra plus tard. Pour l'instant, on Le joue un petit seul peu truc random, donc on joue la où ouais, quête. le seul truc où je suis vraiment noob, c'est la metagame. Ça veut dire il n'y a pas de comme sur les autres jeux, une metagame où tu sais que tel perso va aller sur telle ligne parce qu'il fait tel truc, et puis tel autre perso va aller sur telle ligne. Là, voilà, les gens ils Un peu vont un plus petit free. peu où ils veulent. Du coup, ils ont des match-up pas forcément gagnants. Bon, c'est Pour l'instant, encore une faut fois, le c'est temps de l'alpha, donc faut s'habituer, pas ouais. non plus s'exciter. On prend juste plaisir à jouer au jeu. Comme disait Weber, le MOBA c'est basé sur la connaissance. Donc évidemment, le jeu est récent. Alors, j'ai quelques choix qui s'offrent à moi. Range Creed, Kill Minions to Blind Moi Mercenary. j'avais le choix entre taper les plus forts les structures et me rendre de la vie et de la mana. Comme je n'ai pas Non, j'ai l'intention Lucide. d'aller taper. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui s'appelle Papo. C'est vrai? Mais ça veut pas dire aussi papa en. Oui, mais bon, si c'est un requin, voilà quoi. En face, on a un russe. Vas-y, on y va à Ah oui, deux? Tu vas où?
Je sais pas, je suis la masse parce que j'aimerais bien lire mes caractéristiques en fait. Attends, ça Vas-y. fait longtemps que je n'ai pas joué ce perso. Through a hammer. Voilà, Ça ça coûte c'est pour faire fait. ça. Ah oui, mais je suis en QWERTY, ça marche pas. Oh là là, c'est horrible. Il m'énerve lui, Tassadar. Il m'énerve déjà. Voilà, c'était pas ce que je voulais faire. Par exemple. Je voulais aller dans l'autre sens. Bon, vas-y, je vais sur la ligne du bas, je vais fermer tout seul. Dashis to win. No. Plus damage to win. Il est censé Be quick and grab it. Voilà, on va commencer par ça. Et Oh le récupérer les papot. coffres. Oh le papot, il sent sale. Le problème Coffre c'est que moi sancho. j'ai aucun truc de support. Donc moi en bas je suis en train de taper un coffre et je récupère les coins. Alors le problème c'est que si jamais je me fais tuer, les coins tombent par terre et évidemment les ennemis peuvent les ramasser comme les alliés. Donc il faut vite aller les donner aux copains avant de se faire tuer comme une quiche. Moi j'en transporte 5, c'est beaucoup, puisque pour déclencher le bonus, il me semble que c'est 10 au départ. Ouais, c'est 10. Ouais. Hop. Donc là, on a récupéré le truc. Vous voyez un petit peu ce qui tombe sur la planète. Il y a C'est quand un même tank assez qui est sale. en train de nous assiéger, je peux pas le dépop tout seul. Hein. Moi, je suis en solo au bas. Je fais mon lait. Bon, je pense qu'on a perdu le. On a perdu le haut. Je vais te rejoindre. N'a pas perdu l'eau avec le copain qui a tapé là. Non, mais Choose the talent, level 4. il y a un tank devant nos tours, quoi. Siege Hammer. PDF, c'est à Ça rendre. c'est marrant aussi d'avoir en fait pas un personnage mais un tank. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais. On se casse. Attends, j'essaye de le. Ah. T'aurais pu le router carrément. Non. J'ai pas la portée. Et comme je pense que je me fais tout shot là par le. Ah, ils ont pris des mobs de la jungle, là, ça fait mal. Oh, c'est route de beau gosse. La poke. Bah si je reste, je vais continuer à crever. Non, ne meurs pas, mon frère, sois beau. Par contre, il faut tuer les gros machins, sinon c'est pas bon. Attends, il me reste 4 secondes. Donc ça, ce sont des petites fontaines. Vous pouvez cliquer dessus, voilà, toutes les 100 secondes Je m'en sors la queue boss ou pour pas? regagner de la vie. Queue Oh. boss? Queue boss. On va back quand même parce qu'on est un boss mais pas trop. Bon, il va falloir aller à la recherche de doublons. Parce que c'est quand même mieux. Ah bah écoute, salut à toi, mon petit Alexei. Ah, je me fais pas à la portée de ce perso, hein. Il a une portée super courte. Moi, je suis en train d'essayer de faire des mobs de la jungle tout seul. J'avoue que je galère. Je pense même que je vais me faire tuer. Donc, on va se casser. Voilà, abandon ship. C'est dommage, hein, faire les mobs de la jungle, c'est intéressant. Bon, je vais essayer d'aller me faire le tank. Parce que là, il est en train de me dépop salement. Le problème, c'est que je connais pas, j'ai pas du tout regardé ces. Il me défonce. Il faut vraiment que quelqu'un aille s'occuper de lui, hein, parce que tout ce qu'il S'occuper nous de met qui? pas. Du Bah tank? le tank, Mais oui, je bah t'ai dit depuis le début, je peux absolument. Faut qu'on y aille à 3 au moins.
Non, c'est incroyable, même en rushant encore à corps sur lui, il me défonce le machin. Bon, j'y vais, tu viens avec moi? Attends, parce que là on perd le bot. J'attends Non, qu'il n'y ait mais plus on s'en fout du de. bot, c'est horrible ce qu'il nous met le tank. Il a déjà pété notre T2, quoi. Mais sérieux, elle, quoi. Ces clics droits sont pas magiques, hein, au voodoo. Ah non, non, il est pas là pour ça, c'est un spécialiste. Hein. Hop, je fais un misclic. Ça manque de ward. Ah, mais en plus, il se tire, mais genre à une vitesse, quoi. Voilà, on l'a tué. On a tout C'est mis. bon? T'es où, t'es à côté de moi? Attends, bouge pas. Va prendre le 2. Je prends le heal là. J'aimerais bien qu'un mec arrive. Pour lui faire l'ulti. Vas-y, on essaye. Oh putain, il y a tellement de. Ah mais là, ils ont pris ship, on est pas bien. Faut essayer de percer ce qu'on peut. Il y a un Bah, mec qui t'es arrive là. prêt. Bon, Ah, je allez! l'ai loupé. GG. Il est à nous le C'est truc, dur de ouais, il est penser à qu'une nous. fois je galère tellement. Ouais, c'est bon, j'ai reconfiguré mes trucs avant l'émission là. Moi je peux pas. Oula, 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 oula. Je peux pas aller survivre. Je le proque un peu. Il fait des sacrément sales dégâts. Il est sacrément sale. Il y a un autre mec qui arrive là, on se casse. Ah, je me tire moi. On a tellement plus de tours. Ah, disons que là, on est en train de se prendre une petite piquette. Heureusement qu'on creuse un peu le bot. Ça va peut-être nous aider. Allez, Alors, j'en mes viens. talents. Je vais aller au bot avec eux. Parce que le top est en train de se faire crush par le pirate. J'ai aucune idée de lequel est mieux. J'ai un gros bordel. Bah, à la rigueur, peut-être le gros bordel pour aller tanker. Pourquoi ça clique pas? Tu sais, il a rejoint les copains là. C'est tellement horrible. J'ai cru que je pouvais m'en sortir, mais non. Ah, j'ai tanké une demi-heure, elle peut me dire qu'il est pas capable de le tuer quoi. On est en train de se faire rooster la tour intérieure là. Vas-y, je suis back. Forêt, je sais pas s'il y a un mode smartcast. Oula, j'en sais rien. Je crois pas. J'avais regardé les options, j'avais pas trouvé de truc spécifique. Ce tank, non mais ce tank, oh moyen de Dieu, il va me tuer. Oh là 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 là. C'est problématique. Bon, alors là-dessus, là. Je commence à faire du dips. Hein. Allez, papo, la donne tout. Tant Muradin, il a plein de stun. Hein. Oh! Vas-y, mon ulti, il fait pas de dégâts là.
un outil qui fait pas de dégâts, c'est toujours assez vexant en fait. Donc on rappelle, hein, il n'y a pas d'item dans ce jeu. Vous backez seulement pour régène de Oh la vie. vache. Et sinon, c'est quelque chose de très musclé, une game en particulier dure environ 15-20 minutes. Tellement du Je pense monde. qu'on est parti à peu près là-dessus. Ah, vas-y, le tank. Non Je le mais tue. attends, mais le temps que t'as eu en two shot, Non, mais on est c'est trois le mec dessus, quoi. on défonce. Voilà. J'ai. Oula. Peut-être bait. Je fais cramer comme un noob. Réussi à en avoir un. Là, on est à 9, ils sont à 5. On va réussir à récupérer quelques golds. Non, j'aurais pas dû m'arrêter. Eh oui, typique. Typique. Mais bon, elle court super vite et t'aurais rattrapé quand même. Non mais par contre, il faut Voilà, c'est activer bien le smartcast, moi ça me rend fou hein, ce truc. vu. Ah là, du coup, par contre, là, on va prendre cher pendant quelques waves. Alors, Qu'est-ce qui talent. se passe? Faut fighter, là. Faut fighter, faut fighter. Le problème, c'est que faut. Je prends des trucs un peu au pif parce que je connais pas du tout ce perso. C'est pas bon. C'est bon ça. Alors vous voyez, cette map est quand même beaucoup plus musclée parce qu'on récupère des coins assez facilement et donc on balance la sauce assez régulièrement. Putain, mon gars. Voilà. Tu veux push? J'ai pas de mana pour ulti. T'as vu, je fais pas de dégâts, hein. Attends, il y a un long channeling et tout. Je trouve ça dommage, quoi. Vas-y, on va aller faire tanker le machin là. C'est pas mal ce truc. Oui, c'est fort, hein. Ça tank bien. Moi, je vais me tirer. T'as attacking our core. Bah, je vais défendre. Tiens, mange. Vous allez défoncer lui On quand en même. est où? 5 sur 16. Donc là, vous voyez les objectifs de marquer. De quoi? Qui c'est qui est en train d'attaquer Bah je sais pas. Ah, faut aller récupérer les coffres là. Tu peux y aller toi? Moi j'essaie de repousser les waves un peu. Écoute, vous les chassez vers le bas, je vais essayer de les rejoindre. Qu'est-ce qu'il met? Le contrôle de la map. Voilà.
C'est pas mal, on va rendre des sous là. Alors, le chat, pour l'instant, il n'y a que Blibli qui peut donner des clés alpha ou il y a aussi des clés disponibles sur certains sites via des concours ou autres. Et bonsoir, Minouel. Non, je crois pas qu'il y ait Non, de pour l'instant, concours. c'est rien de disponible. Parce que pour l'instant, c'est Blizzard qui active les comptes. Donc, il n'y a pas de clé. Vous pouvez pas rentrer une clé pour activer l'accès ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils aient votre compte et puis c'est eux qui activent tout. Donc, malheureusement, pour l'instant, vous ne pouvez pas en bénéficier. Je pense qu'il faudra attendre au moins la bêta fermée. Bon, après, évidemment, il y aura une phase de bêta ouverte, je suppose. Merde, il y a un mec qui m'arrive dans le dos. En fait, ça dépop bien les creeps, ce truc. Hein. Je me demande si en jungle, ça peut être sympa. Parce qu'en plus, j'ai vu qu'au début, tu peux choisir un truc qui améliore Ouais, tout à fait. les dégâts contre les mobs. Je me demande si c'est pas ce qu'il faut faire. C'est les. Vas-y, on va essayer d'aller prendre la tour. Voilà. Il y a le tank qui est en haut là, qui va essayer de reprendre le truc de. J'arrive. Genre, il a écrasé mes zombies. D'accord. Je lui ai fait que dalle en dégâts sur mon ulti, c'est ridicule. Putain, c'est de l'arnaque. Il m'a tellement mis une Cette patate. portée. Cette portée du tank, c'est juste fou quoi. En plus, il peut avancer en mode ouvert quoi, n'importe quoi. Il est vexant. Moi, je veux bien foncer dans le tas, mais on va crever. En même temps, on est en train de perdre notre corps. Allez, hop. Oui, bah là. On va perdre. T'as vu le tank? Qu'est-ce qu'il met quoi? Oh là là, les dégâts de ce tank. Ah, j'avoue, t'as plus qu'à l'essayer le perso là. Ah Moi je l'ai non, il est pas, pas faut gratuit. l'acheter. Ouais. Ouais. Il coûte 10 000, non? Ouais, il coûte super cher en plus. Oh, defeat! Non, c'est laid, c'est rouge en plus. Bon, bah Ouais, bah écoutez. je pense que le Witch Doctor ça peut être pas mal en jungle. Pour faire tous les petits camps de mercenaires. Ça peut être pas mal. Vous voyez, à la fin, on gagne de l'expérience. Je sais pas combien il y a de niveau max. On est au moins 20. Donc, on s'est fait détruire par Sergeant Hammer. Qui a ressemblé à une sergente. Du coup, j'ai fini deux quêtes. T'es Eh non, ben. t'as quitté le tableau de score. Ouais. Non, je suis dessus là. Les takedowns, les deaths et les mechanics. Les mechanics. Donc là, vous voyez, Raynor, lui, il a fait que farmer les doublons. Et d'ailleurs, dans l'autre team aussi. Bon, il n'est pas très très complet ce tableau de score. J'aime pas trop, mais bon. Encore une fois, c'est que le début. Allez, cette fois je vais prendre un support parce que c'est ce que je joue sur l'autre MOBA. Et donc je crois. Alors là nous avons un assassin à distance. Melee Warrior, un Melee Warrior. Un assassin à distance et un assassin melee. Donc on va prendre Tassadar, Range Support, Difficulty, Very Hard. Bah voilà. Voilà, j'ai envie de dire voilà. T'as tous ces persos, toi. Bah non, je clique dessus pour le plaisir. J'ai pas encore acheté Tyrell. Donc, Attends, ce j'ai petit plus assez de support points. qui fait un shield, Hein. qu'est-ce que t'as fait là? 2900 points. Comment ça que je l'ai fait? Bah, du coup, tu nous as fait sortir du truc. Ah bon? Donc, D'accord. nous avons un petit shield sur un allié ou sur soi-même. Une invulnérabilité et invisibilité, vraiment fort. Et puis l'attaque psionique, c'est ce que vous avez vu plusieurs fois au match d'avant, qui fait des gros dégâts quand vous vous spécialisez là-dedans. Et en habilité héroïque, donc on a les basiques attaques qui sont augmentées, pas mal. Et un force field, ah ça peut être marrant ça.
Alors après, il y a Minwell qui voudrait voir Uther. Donc là, j'ai sélectionné, mais si tu veux Uther, il n'est augmenter un pas petit peu les dispo et il coûte capacités. assez cher. Donc juste pour que tu les montres, clique dessus, hop. Pour voir les capacités, on peut vous montrer ça. Il peut healer, bizarrement. Il est où le Uther? Tout à droite. Juste Encore plus à avant droite? Zagara. Yeah. Moi, c'est mon préféré. Je pense que c'est le premier que je vais acheter. Je Uther ou dirais. Tyrell, ouais, j'hésite. Mais bon, je sais que je jouerai plus Uther. Donc c'est un support ou un tank. Donc il a un soin de cibler, mono cible. Il a un soin de zone qui fait aussi des dégâts que vous pouvez spécialiser en un peu plus de heal, un peu plus de dégâts au choix. Et il a un stun qui fait des dégâts. Donc c'est vraiment vraiment du support contrôle. C'est pour moi c'est super balèze. Et en habilité héroïque, il a un dégât de zone et un stun de zone. C'est colossal. Vous arrivez dans le tas, vous faites bim, Waouh. hop, tout le monde est stun. Ou une invulnérabilité et vous courez plus vite, ce qui clairement est moins bien. Voilà. Et donc son passif, parce que tous les persos ont un passif, quand il est mort, en fait, il peut continuer pendant quelques petites secondes à faire ses capacités. En fait, il est toujours là. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et Vraiment sympa à ouais, jouer. je pense que c'est celui que j'achèterai en premier. Alright. Donc moi je vais essayer Raynor. T'as mis le ready? Ouais. Anytime you're ready. On fait péter le Marine. Bah c'est parfait, comme ça je vais rester avec toi, je vais faire le support. Oula. Je sais pas jouer ce perso, hein. Je sais pas ce qu'il donne. Ah, bon, on a une charge Ah, d'armure. ça va. On va le regarder. Et on a une Lily. Je me demande si c'est pas les deux mêmes d'avant. S'ils faisaient tous les deux ça aussi. Tryhard! Oh putain, on a eu un pic de ton micro là. Excuse me. Oui, désolé, mon micro est mort, donc je suis sur un micro de fortune. Donc nous sommes sur la même map. Quel dommage. Mais bon. Ouais, la map est tirée aléatoirement. Vais m'acheter un pad, moi aussi, j'en peux plus jouer en QWERTY, là. Si jamais il y en a qui ont des solutions pour les cas désespérés comme le mien, où mon clavier ne peut pas changer de langue. Même en faisant les manipulations pour le faire. Et juste le clavier est grisé et c'est dans ton chat, mon petit bébé, tu ne peux pas changer. Bah tiens, j'ai un truc pour faire pour la jungle aussi, mais je Tu vais veux le quand farmer? même Bah, on l'a tous au départ. Ouais, mais je pense pas que ce soit à moi de le faire, hein. Je vais plutôt rester Bah, avec toi vas-y, je et vais le prendre. Kill minions to bribe a mercenary. bah, normalement toi t'es censé dépush les lignes quoi. Ouais, il y a une basic attack damage par every level. On va faire C'est ça, bien ça, bah ouais, carrément. hein. Ça a l'air indispensable. 3, 2, 1. Ignition! Non! T'as vu la Lily qui a pris qu'acheter son skin là? En mode licorne. Ouais. Ah, dégueulasse! Oh là là! On va au Licorne mieux. OP! On va où là? Vas-y, je vais faire le tour. Tiens. First Blood ou bien? Ouais, attention quand même. Dommage que les autres J'ai soient mon pas restés, shield, hein, on les aurait ça y est. cramés là. Ouais. Mais c'est bon, le tank se met en place là. Vas-y. Faire un form and push. Ouais, complètement. Les Regen Globes, ça change tellement la vie. Donc là, j'ai pris un perso qui n'a que deux sorts, donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi à jouer. C'est un peu plus noob quoi. Je peux mettre en. Vas-y. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ah! Oh non, mais c'est bon, voilà, tu vois, j'ai un truc qui me heal. Je vais jouer là-dessus. Attends, J'ai pas vas-y, réussi à le tuer. je vais essayer Je de suis assez reprendre la déçu. tour là. Voilà.
Il y a un mec qui arrive là. Ah, je t'ai pas shield à temps. Ouais. Il m'a tapé de loin là, c'est chelou quand même. Bah je reviens au top. J'ai réussi à lui faire un petit brain. Donc, premier talent. Alors, la basic attaque rend du point de vie, c'est pas mal. Et plus fort sur les structures. C'est pas mon rôle de se taper les structures, donc je vais prendre l'autre. Ah, j'ai essayé de le garder sur la portée de la tour, mais ça n'a pas suffi. Ça, c'est typique de tous les MOBA, hein. Quand vous vous faites attaquer, si le mec il vous suit tout le temps et vous voyez qu'il veut vous tuer, vous allez sous la tour et vous arrangez pour lui mettre un petit contrôle sous la tour et la tour en fait s'occupe. S'occupe de lui pour le Voilà. déglinguer. Fais gaffe, il y a un assassin qui traîne, voilà, là il Ouais, arrive là. je l'ai vu. Et moi je fais ça et il dégage. Vas-y, viens, faut reprendre le truc là. Y a Arthas J'aimerais bien, mais qui. comme tu dis, il y a un assassin dans le coin. Attends, regarde. Hop! Dégage. Non, 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 il vient pas après. L'autre, il a pas suivi là. Vas-y, je vais essayer de faire les petits camps tout seul. Allez, on te regarde. Un support qui tape les minions. The minions! I told you, the minions! J'ai chopé deux doublons, je vais aller les rendre avant de me faire tuer. Ah, on est déjà à 9. Bah c'est bon, normalement si je les rends. Il est pété là. Ah, dommage, s'en sort. Choose C'est bon, the je vais activer le bot là. Rendre ces deux doublons. Ah, le temps qui s'est mis devant le mec. talent. C'est bon. C'est le brain perso quand même. C'est pas mal. Donc là, j'ai pris un passif qui fait que quand mes ennemis sont dans la tempête psionique, ils prennent plus de dégâts de mes auto-attaques. Sans Donc moi qu'on le me batte. personnage Raynor en fait son Q spell c'est un je tire, je balance un petit tir qui éloigne les ennemis de moi, qui les stun un Tiens, vas-y, petit on fait peu. le camp là. Allez. Donc genre ça. Boum, voilà. Mon Z, ça augmente la vitesse d'attaque des gens autour de Mouet et les attaques damage. Tiens, attends, on va essayer de le tuer. Non, tant pis. Et mon E, qui donc me permet de palettiser. On a de quoi rendre un bot là déjà. Faut pas qu'on perde les pièces. Donc c'est Adrenaline Rush, dès que je passe en dessous de 30% de mes points de vie, ça me heal automatiquement d'un tiers, je crois à peu près. Et pour l'instant, j'ai pas choisi d'ulti. Mais soit je peux invoquer des Banshees, soit l'autre, je crois, j'invoque carrément un... Zut, comment ça s'appelle? Non! Non, je suis trop mauvais. Le gros vaisseau des Terranes. Oh, punaise. Battle Cruiser Battle Cruiser Operation. Opera. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une partie de Starcraft. Bon, il y en a un qui nous fait chier à rester. Je vais rendre ces doublons. Tu as raison. Et je trouve que tu délaisses un Voilà. petit peu quand même. Voilà, non mais regarde, je protège le tank et on a déjà un nouveau bateau, quoi.
Solide. Je fais le petit camp puis j'arrive. C'est un quoi ça? Ah c'est un hard quand même. Il a bien son multi. Ah c'est un hard, j'ai pas ce qu'il faut. Bon bah j'arrive. Battle Cruise. Alors. Allez là. Ah non, le Battle Cruiser, c'est un vieil outil. S'appelle. C'est un truc de zone. C'est un outil Gangplank. Voilà, c'est ça. Derrière toi, derrière toi. Vas-y, okay. Vas-y, on les fight. J'ai mon shield. Ah, je suis stun, c'est la merde. Ouais. Toi, tu te transformes en archon. Tu te la teupé. Ouais. Ah, par contre, ils vont activer. Faut réactiver un. Un bateau là. Choose a talent. J'aime bien ça. Alors, nous avons les auto-attaques qui ralentissent les ennemis. C'est bon ça. Empowers your basic attacks against heroes. J'ai l'impression que c'est complètement fait pour moi. On va chercher le gros truc là. Ah non, ils viennent de le prendre. D'accord. On se le fait. Il y a un mec derrière quand même. C'était plutôt le gars. Vas-y. On a de shield. Putain, les dégâts que tu lui as mis. Il n'y a pas de fait. Ouais. Moi en fait, je suis un gros ADC. Violence. Ah oui, je vous mets quand même super cher au gros port. Hein. Chests have spawned. Tu restes avec moi ou... On se fait le petit camp derrière allez. Là. Allez, allez. Attends, lui il repop dans 5 secondes. Je vais le tuer. Allez, petit coin gratos. Nice. Allez, je vais les rendre mes coins si tu viens. Vas-y. On va monter sur la monture. Hop. On va monter sur la monture. Alors ça, c'est une bébérade. D'ailleurs, ce serait bien qu'on rende les 14 avant les autres. Ça les mettrait. Ah, j'ai un souci. Ah. J'ai bugué. Oh la vache. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Zut, crotte. Énorme le temps qu'il pose des petites mines au sol. Donc, excusez-nous le chat, nous vous avons un petit peu délaissé. Non, en effet, Stitches, on peut pas jouer pour l'instant. Il y a pas, il y a quand même un tiers des persos qui sont disponibles, mais bon. Bah, du coup, ça change, semaines, hein. Ça change, donc on vous en fera d'autres. On a la possibilité de les faire tous là, je pense. Il y a Arthas qui est là, mais je suis un support, je peux pas le tuer tout seul. Je suis là. Bon, nous a c'est pas grave. Allez, on met les dégâts dessus, ouais. Là. Sur l'assassin.
Je vais le déglinguer, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça a comboté quand même. Ouais, Ah, dernier c'est jeu. bon. Je pouvais pas le laisser au calque. C'est moi, j'ai pris le truc qui fait qu'ils prennent plus de dégâts quand ils sont dans des auto-attaques, quand ils sont dans mon truc. Donc, normalement, je me demande si ça marche avec toi. Quoi Non, donc? c'est mes auto-attaques. Attends, on reprend le petit. Je les trouve trop rapides à prendre ces tourelles. En Donc même ça laisse temps, pas le temps aux autres de réagir quoi. bah, t'as T1, T2, T3, t'as quand même le temps, je trouve, hein. Alors, je peux faire deux tempêtes psioniques. Ça m'a l'air pas mal. Vas-y, je te shield. Me casse. Oh merde. Ils sont 12. D'Atulti. Fuyez, pauvre fou! T'es déçu ou pas, toi? Bon, on est à Non! 10 sur 14. C'est pas trop mal. Mais nous, on a un Arthas. J'ai pas vu de la game, quoi. J'ai tellement déceptionné, là. Ah, c'est bon. Putain, mais le Vas-y, tank, c'est vraiment passe au bien, hein, bot, on pour creuse ce le genre bot. de map. Hein. C'est vraiment, vraiment bien. Sur quoi il tire là? Oh là là, qu'est-ce que ça met? Oh là là, les dégâts, Fait tellement de dégâts. c'est obscène. Time to man up. Il vient de détruire toute l'avant-base, quoi. Let's go. Tiens, bouffe. C'est pas le mien, hein, le deuxième là. Oh, cet ulti là, il met super cher quand même. Est-ce que je gagne un petit peu? Ouais. On protège le tank, je pense que ça suffit. Ouais, puis il y a la Lily qui fait son taf. Je vais y passer là. Voilà, c'est ça. On se retourne, il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh! Tous les golds qu'il avait sur lui, le fou, il est venu fighter. Oh là là. Oh le Il est fou. déçu ou pas? Ah, oh, il est super déçu. Je veux dire, on a assez Va pour falloir tout activer un rendre. ship. C'est débile. Oh. Le mec, il devait avoir. Aïe 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 aïe. Vous faites pas tuer entre-temps, ça serait con. Oh mon Freeman, t'es beau. Oh là là. 7, 9. Vous avez 17, Voilà. 17, 16, 23 doublons hein, sur le jeu. C'est pas tout seul, quoi. Cette invulnérabilité, invisibilité, c'est tellement kiffant. Vas-y. Moi j'ai quand même un gros problème avec ces auto-attaques. Hein. Tu vois, on comparait à LoL là qui s'est en train d'essayer de faire des progrès pour la lisibilité du jeu. Et ben je trouve ce jeu des problèmes de lisibilité pour
pour les C'est l'alpha. spells, les clics droits, Eux, les... ils sont en train de faire leur lisibilité au bout de 5 ans. Donc bon. Mais tout à fait, c'est pas assez lisible. On est d'accord. Choose a talent. Il tank tellement. Time to man up. Putain, mais il tank comme un dégueulasse, quoi. Plaît bien ce perso débile, moi. Raynor? Oui, c'est efficace, hein. C'est le H du... Heroes of the Storm. J'ai pris l'activation supplémentaire de mon R, là, de mon ulti, de mon Hyperion. Il balance un Yamato Gun à la fin, c'est énorme. Je suis en train de faire des glingues par Tiens. contre. Oh la tour. Ah, oh, il meurt pas. Ah, oh, la déception. Ah, oh, la déception. Je sais pas si les doublons c'est encore utile. Voici, ça permettrait de terminer la games. Non, franchement, j'aime bien ce perso. Peut-être parce qu'en ce moment, je suis dans ma période ADC, mais il n'y a pas énormément de mécanique, par contre. Il faut l'avouer, c'est assez noobchamp. Cette ulti d'Arthas, tellement beau gosse. Oh oui. Mais ce tank, mais il est tellement débile, ce perso. C'était pour ça qu'il coûte si cher. Arthas, tu parles? Non, le Non, je tank. parle du tank, Ouais, Servo c'est juste fou. Et là, il est même pas en mode siège, hein. Regarde, il a des fusées. Non mais sérieusement, quoi. Hammer. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, un perso comme ça, quand tu lui sautes dessus, il prend cher et il faut le défendre, quoi. Lui, j'ai l'impression qu'il a tout dans son kit. Il Donc là, je viens de DPS, il prendre défend le haut. Oulala. le dernier passif que j'aime beaucoup, qui fait que les auto-attaques s'enchaînent sur les ennemis. Ouais, celui-là il est super. Oui, Yamato Gun qui leur met tellement cher. Allez. Ah, Dommage. un micromètre. Donc lui on le poke sec. Hein. Alors attention, la tour, on s'est fait avoir tout à l'heure. C'est quoi ce qu'il balance là? Ça, c'est C'est Lily qui Bambino. fait ça? Eh, Bambino! J'ai essayé de pas me faire. Ah, je me suis fait pécho. Merde, au Le secours, au shield. secours, au secours. Allez, c'est l'ulti. Oh, le shield sur le tank au dernier moment. Ah, deux supports, on s'en sort bien, hein. Par contre, le temps de ripop, plus la game avance, plus ça devient. Assez horrible, oui. T'as plus envie de mourir. Je veux dire, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'il fait le tank ici, là? Il défend, je pense. Il attend que tout le monde repop. Il y a un guignol tout seul au top, je pense qu'on peut en profiter pour slash push.
Cannes, mais... Oula. Derrière. Attends, 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 back. On met du bon dégât. Hein. Voilà, clairement. Et pourquoi on est que 3 là? J'ai l'impression qu'on a de l'AFK ou du mort, parce que les morts durent très longtemps. C'est pareil pour eux. Je pense qu'ils sont morts aussi, on va push un peu. Et on va tuer les machins là. Ça dépop super bien. Ça manque de ward ce game. C'est exactement ce que je disais, ouais. Ça manque vraiment de ward. Allez, vas-y, on va taper un peu. Attends, je me fais un petit mignon. Vas-y, je te shield. Ah, il... c'est Nimp qui prend la target sur les minions en premier. Il a collé mon ulti. Tiens, dégage. Ouf! Ça, c'est un assassin. C'est vraiment bien ce perso. Tu Hein. Oh le kiffes! stun! Oh le stun ce qu'il nous a mis. Dommage qu'il joue pas avec nous, le petit sergent Hammer, ce serait plus facile de gagner. Non mais ce stun est horrible, faut vraiment le tuer ce mec. Hein. J'ai envie de dire qu'il y a lui. Ceci dit, on a des belles vagues qui arrivent là chez eux. Hein. But the minions! Dominion. Ouais, la partie dure beaucoup plus longtemps que la moyenne, je pense. Ah, clairement. Ça résiste Je sec. pense que c'est la plus longue que j'ai faite. Non, mais là, c'est bon, on a nos minions qui arrivent chez T'es mort, eux. toi? Ouais. Ok, bah je vais aller voir le sergent. Ah, bah, vas-y. Ah bah ouais, carrément. Ça tank tellement. Attends de voir le stitches. Ouais, je sais pas, je trouve il tank moins quand même. Hein. Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu de perso. Faut. T'es en train de rendre les trucs là? Ouais, je viens de le faire. Tu peux rester pour nous protéger? On rend les trucs Voilà. là. Ouais, voilà. T'inquiète. Activer l'ulti. Hein. On les a tellement défoncés là. Il y a End of the l'assassin. world dans leur fion, quoi. Je recule, je recule, je recule. Ah, toi, tu te sens plus pété, tu vas crever. Il manque. Il manque un système de ciblage avec des icônes. Parce que là, cibler dans la mêlée comme ça, c'est compliqué. Bon, bah voilà, on est pas mal. On va avoir un petit shot. On va prendre le truc au bot là. Allez. On peut pinguer, hein, toujours où il y a les 4 systèmes de ping, tu peux peut-être montrer. Danger, defend on my way ou assist me.
C'est le GG. But the Minions! Minions! Oui, ils ont ce raid, non? Bon, c'était sympa. Ouais. C'était cool. Petite victory, ça change. Ouais, bah t'as. Cet Assadar est vraiment vraiment très sympa en support, hein. Je l'avais joué qu'une seule fois, mais c'était au début et j'avais trouvé ça super compliqué. Bah, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est marqué en Veryard. Ouais. Quest reward, yes. Des points, de la thune. La thune, c'est mieux parce que ça permet d'acheter les persos. Hero Donc, je Talent. propose de faire une petite pause et de reprendre avec des nouveaux personnages. Allez, c'est Donc, parti. montre quand même peut-être la liste des persos, savoir ce que les gens ont envie qu'on joue. Bah on est pas mal, hein. Ça donne quoi? 16-5. C'est beau, ça. Putain, Lily, 16-1. Elle a fait son taf, hein. Belle partie. Alors, la liste des persos jouables, évidemment, gratuitement. Je vais quand même attendre. D'abord, je vais quand même aller voir. On va les classer par prix. Alors, je pourrais acheter du Raynor, du Illidan. Ah bah du Lily. Je pourrais acheter Lily, tiens. Lili. Ou Tassadar. Voyons voir Illidan. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors. Ah, c'est un assassin, c'est pas mon kiff. Ouais, sinon ça coûte combien? Uther, c'est 7000. Je vais quand même attendre pour Uther et Tyrael. Je vais garder mes sous. Allez, on va garder les sous. Donc, après la pause. Tiens, faudrait que tu cliques sur accepter. Ouais, j'arrive. Hop. On remet ça. Avec Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Muradin, Arthas, Muradin, Arthas, et ça t'as joué. Bah Diablo. à la rigueur, je Un fais Muradin Arthas. Muradin et tu fais Arthas, et comme ça on a fait tous les persos. Voilà. Allez. Bah voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. 2 petites minutes de pause.
Et c'est reparti! Avec fromage et saucisson! Parce que bon. Ah, salaud. Quand même! Et donc on est reparti. Oh énorme. Attends, je cancel juste pour le pour remontrer ça tellement c'est énorme. Le petit Ça fait beau. Muradin. Alors là, on est vraiment. Ah, moi j'ai un personnage statique. Non mais attends. Arthas, il bouge pas. Diablo non plus. Zeratul non plus. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quand tu cliques sur Ready. Ah. Petite Frostborn. animation, voilà. Frostborn a faim. On fait Surtout français de chez français là, c'est qu'il du fromage et puis du saucisson quoi, je veux dire du. Ah, tu me donnes faim. Bon, bah, tu lances. Et Bah, si tu cliquais? c'est cliqué hein, c'est en recherche là. Un. Oui, le Muradin que j'avais joué plusieurs fois et que j'avais vraiment bien aimé. Balance un marteau qui stun, il fait des dégâts. Il a un AoE de zone qui fait des dégâts et ralenti. Bah, c'est le Thunderclap, c'est exactement comme sur WoW. Et un saut qui fait des dégâts en arrivant. Vraiment, vraiment très bien. Ah oui, tiens, si je regardais un petit peu Arthas. Deals damage to a target or heals Arthas. Deathcoil, normal. Root and damage enemies, ce qu'il mettait tout à l'heure. Damage and slow nearby enemies. Drains mana while active. D'accord. Summon Syndrosa to slow damage enemies. Ouais. Syndrossa, c'est bon ça. C'est une C'est long. Dragosa. Dragosa. C'est long. Et Frostmourne Hunger, qui est mon passif, activate to empower his next attack and restore mana on hit. Ah, là, il va falloir cliquer un peu plus, je vais un peu plus galérer. Je pense qu'on va relancer parce que la dernière fois c'était pas si long. Vas-y, on recommence. Ça pue là. Attends, on va faire un petit cancel. On reprend. Reprenons. Alright, vas-y, faut que tu cliques. Ou alors peut-être parce que c'est l'heure de manger. Ready. On a une demi-heure pour terminer. Et après, on vous laisse. Et place à Schizo pour du Diablo. Ouais bah je pense qu'on va avoir le temps de faire une petite partie là. Bah, on fait celle-ci. Hein. Si elle se lance, one day. Et donc du coup on vous retrouve la semaine prochaine avec du Diablo. Voilà, 2 heures de Ce donc Diablo. maintenant on va faire en alternance nos deux Exposé. émissions. Donc le Sanctuaire d'expérience la semaine prochaine et puis cette émission que nous avons nommée Heroes of the Hype. Comme The ça on sait de quoi ça parle et on sait où ça se passe. Donc bah, on va profiter du temps d'attente hein, pour faire un petit peu de pub. Donc vous pouvez retrouver notre Facebook et notre YouTube. Donc sur notre chaîne, vous retrouvez bah, évidemment toutes les émissions qu'on fait sur JoJype, sur la Web TV. D'ailleurs en ce moment c'est plutôt que ça, étant donné que sur Diablo on ne fait plus de vidéos et qu'on attend que le contenu soit un peu plus stable sur Heroes of the Storm pour en faire. Ah, ça y est, la C'est partie est parti. lancée. Dasadar Nova. Et sur Facebook, tout simplement, bah, pour avoir. Avoir l'actualité, les liens des VOD quand on les met, savoir quand est-ce qu'on fait les émissions. Tout ça, tout ça. Oh, ton micro refait un pic d'activité. Ah, j'ai rien fait, j'ai rien. Sans les mains. C'est Bon, pas tu les vois, on va mains qui faire d'autres. activent ton micro. Tu rapproches ton cas. Donc oui, les Haunted Mines. Donc là, c'est vachement sympa. Il y a un niveau underground. Il faut aller donc dans le souterrain pour collecter des skulls, des crânes. Et grâce à ça, on summone un géant.
qui va faire un tout droit jusqu'au Alors, Nexus ennemi. quatre trucs directs. Alors, il gagne de la vie par level, Cinq. ça m'intéresse pas. Gagner de la vie par level, c'est pas mal ça, hein. Sur les tanks, j'aime bien. Hein. Problème, c'est que j'ai pas vu ce qu'il y avait en face. Bah, j'ai un truc qui réduit la vitesse d'attaque et il y a trois trucs basés sur l'auto-attaque. Ah non, mais là j'ai carrément 4 spells au lieu de 2. Allez, on va gagner de la vie par level. Je suis en galère. Je suis complètement galère. On fait un petit arme bouche du mec. Allez, j'arrive. J'ai pas envie, manifestement. Prends cher par le mec, hein. Ouais, j'ai vu ça. Je suis assez déçu. Non, je vais galérer à jouer ce perso, je le dis. Je vais poker, je vais servir de poker. Et ça fait quoi? Faut trop Ça cliquer, je peux saute. pas là avec mon clavier actuel. Si tu tankes pas, ça va être problématique. Pour l'instant, je peux pas. Ce truc qui est pas en... Ça me rend fou. Le smartcast, En ouais. smartcast, ça rend fou. Là, le mec, il était stunné sous la tour, il mourait. C'est... Ah, je les route. Celui-là, on peut clairement pas fighter. Je vais peut-être le poke là. Moi, ah, je fais pas de dégâts. C'est bon, on a un Tassadar qui fait du jungling, c'est déjà pas mal. C'est comme les autres MOBA, hein, pas avoir de jungler, c'est toujours handicapant. Parce que les bonus de la jungle sont vraiment intéressants là. On vous rappelle qu'on récupère des minions supplémentaires qui fight pour nous. Mais l'autre il l'est. Oh là là. J'essaye de le protéger et le mec arrête de les taper quoi. À quel jeu on joue habituellement? Habituellement, on est sur Diablo. Oui, non. Alors, ça dépend, c'est quoi la question? Non, la Habituellement, nos question. émissions, c'est sur Diablo, ouais. Ça. Bébert et Freeman chez Judge Jive, c'est du Diablo. Par contre, on se met à Heroes of the Storm, étant donné qu'on a eu l'accès. Ça fait longtemps qu'on veut vous le présenter. Donc, on va s'y mettre petit à petit. Même si, comme on vous dit, on peut pas vous faire du contenu. Ah, c'est dur, là. Allez, meurs. Ce smartcast. Voilà. Voilà. Ce jeu aurait été en smartcast, on aurait déjà eu deux morts. Mais après, c'est valable aussi pour les ennemis. Il faut se dire. Avant, le saut faisait pas de dégâts. Maintenant, il fait des dégâts, ça change tout, quoi. Je suis pas un tank, je suis un damage dealer en fait. Bah, ça dépend, je pense, sur quoi tu te spé, mais ça tank bien quand même, Non, non, bah Arthas, non, hein. là j'ai 4 P, c'est que des DPS. Hein. Vas-y, 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 il y a l'autre derrière. Ah oui, elle est en bas, d'accord. Bah écoute, je vais me healer et puis j'arrive en bas. Alors, oh là là, tous ces talons. Alors c'est super dur à jouer. Q, W, E, D. Attends, le D. Ah, c'est bon. C'est qu'il y a Nova qui joue support et elle fait chier là. Voilà. Ouais, Nova, c'est Twitch. C'est ça, mais le problème c'est qu'elle joue support. Donc c'est bizarre, hein.
Je vais aller aider en bas. Ah, franchement, j'aime pas ces leveling là. Alors, c'est un perso que j'aime pas trop. Trop de délai, tu le délai. Je suis en 1v1 contre un support et j'y arrive pas, quoi. Un petit souci de mana, ce perso, ça m'énerve. Ouais, j'ai aucune mobilité. J'ai pris peut-être un peu vite ce truc-là, moi. Donc on est à 41 en puissance de golem, eux ils sont à 59, donc quand les machins vont popper, le leur sera un peu plus fort que le nôtre. Je pense qu'on Ça s'en est va. pas trop mal tiré. On va dire qu'ils nous ont quand même dérouillé en bas. Voilà, vous voyez le golem qui pop donc à notre base là. Ouais, j'aurais dû prendre le truc du dessous. C'est pas grave. Pendant que ça se fight dans l'underground. T'es allé dans l'underground ou J'y pas? suis allé et puis j'ai failli mourir, du coup je suis sorti. Enfin, c'est juste pour montrer quand même à quoi ça ressemble ce terrain. Là, y a le gros qui arrive là. Je le supporte. Mec, il va tout droit, quoi. Tellement pas large. J'arrive pas à jouer ce perso avec ces touches-là. Moi j'avais un souci de mana, je me souvenais plus que le... Je me souvenais plus que c'était comme ça. Est-ce que je peux cliquer? Voilà, avant qu'il parte. Je vais aller au bot là, pour essayer Oh, de tuer il le a déjà golem. son ulti. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, je viens de l'avoir, moi. J'ai tellement de trucs à activer, quoi. Ouais, et c'est ça qui est dommage, on peut pas voir aussi ce que les autres ont pris pour s'ajuster ou quoi. Il n'y a pas de réponse possible. C'est un peu dommage. Ce qui est fait en fait par l'itémisation dans les autres jeux. Comme là, il n'y a pas d'itémisation, On sait pas, ouais. on ne sait pas et du coup, on peut pas s'ajuster. C'est vraiment dommage, quoi. C'est un manque de lisibilité, encore une fois, de ce game en alpha technique, rappelons. Je fais un petit bac, non, je fais ça. Je perds un peu de mana. Au petit puits. Oui, donc il y a les petits puits juste derrière les tourelles qui permettent de regagner un petit peu de vie et de mana. Ça permet d'éviter de back et de continuer à poupouche. Ce serait pas mal d'aller tuer les camps là. Voilà. Je pense que la barbare va me défoncer. On a réussi à la tuer. Il y a 3 sur elle, quoi. Tout en train de regarder mon clavier pour lancer mes spells, c'est assez handicapant. Donc on va pouvoir aller dans les mines dans 10 secondes. Je pense qu'il va falloir se dépêcher. Parce que là, il nous bloque l'accès sud, il faudrait prendre l'accès nord. Moi, je vais y aller direct.
c'est tellement dramatique la mana là sur ce perso. Allez, cap solaire, c'est parti. Il faut descendre dans les mines. Tu veux viendre? Oula, j'ai même pas l'accès, hein, on a même pas l'accès. Au... Et si j'ai l'accès au nord là. Allez, vas-y. Bon, en bouche. I died like a noob. Donc modulo quand même les petites choses qu'on critique de temps en temps, parce que normal c'est fait pour ça une alpha. Ça reste quand même un jeu qui est très très bien abouti, je trouve. Une avancée Ah, bizarre, donc tellement les de attendre. jeux qui aimeraient avoir ce niveau-là déjà. Reste Ouais. là, toi. Il peut pas s'empêcher Pourquoi de il va être troller encore déçu, avec lui? cette fameuse alpha d'un certain Final Fantasy. Quand même assez n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas de mana? Pourquoi j'ai pas de mana? Pourquoi je l'ai pas Voilà. tué? Pourquoi je l'ai pas tué? C'est horrible la mana de ce perso. Je dirais que c'est la jouabilité de mon perso qui me pose problème. Au niveau skill. On n'est pas très bien. On est à 14 face à 60. Il va falloir se bouger. Je suis descendu à la mine avec les autres là. En J'ai tellement pas de cher. mana, c'est horrible. Là, je t'avais dit que ce perso je l'aimais pas trop moi, mais je me rappelle pourquoi maintenant. Tu peux pas speller parce que si tu spells tout le temps, t'es ON quoi. Voilà, prendre ces skulls là, ça va nous faire du bien. 60-38, il en reste plus que 2. 60-40, on s'en sort bien. Parce qu'il valait 20 points le petit boss. Il y a toujours un petit boss dans la mine. Bon, je vais essayer d'aller défendre le golem, quitte à servir à rien. Faut t'en servir pour la team, c'est un commandement de base. Après, je peux pas peel, je peux pas DPS. Essayer de tuer le golem. Il y a des camps de libres là, faut aussi qu'on y aille. Vais essayer de me Le faire golem, là, celui-là. disons. Ah, j'ai réussi à le prendre un V1. C'est déjà ça. J'ai le choix entre le heal et le stun. Je pense qu'il y a déjà assez de stun. Je vais J'avais encore utiliser le le choix heal, pour prendre quoi. un item à activer, quoi. Non mais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux pas cliquer déjà. Sais pas où elles en sont les. Ça m'énervait, oui. Sachant que Schizo vient de nous rejoindre et n'est plus en train de dormir. Salut Schizo! Qu'est-ce que tu penses de ce petit Games? Attends, vous êtes où là? J'ai Ah, fait ce vite fait mur, vite c'est faire joli, taper ça. Jean. Ouais, il est super stylé. Au niveau des graphismes, quand même, ils sont pas mal pris le chou. Il y a juste les bouches qui sont toujours des bouches, quoi. J'ai toujours trouvé ça moche. On lui a tout mis. Voilà.
c'est qui est... C'est son ulti là que j'ai route. Et moi aussi route là. Ah, on peut tuer les zombies. Bien. Faut tuer Nova derrière. Pas sûr que ce soit la vraie. Hein. Écoute, moi je me suis tiré de là parce que j'étais en train de prendre mon papa. T'es où? J'ai Muradin sur la tête en haut. J'arrive. Ah, elle est là. Derrière moi. Salut à toi, Wixlot. Donc nous sommes sur notre dernière partie là du jour où Freeman joue Muradin. Muradin. Muradin, vas-y, reste dans le coin, il y a les caves qui... Moi je suis mort, c'est pas moi. Ah d'accord, c'est pas toi. Moi je suis Arthas. Arthas complètement dead d'ailleurs. Allez, la Nova, faut la... Faut elle la est vivre, horrible, ça. Elle est horrible. Elle joue bien son perso. Mon skilling tree has ended, je crois que c'est la première fois que je meurs. Attends, là ils viennent de nous déglinguer juste à l'entrée... de la mine, et là ils sont déjà en train d'engranger les skulls. Il va falloir se bouger. Là, je répop dans 5 secondes, c'est pas bon du tout. On va encore prendre. Et puis chez nous, c'est tellement la misère. Non, non, ça va. Hein. Pff, on a... Ça pourrait être pire. Attends, on n'a plus rien devant. Il nous reste juste deux. On va appeler ça des inhibiteurs. Deux inhibiteurs devant nous, deux grosses tourelles, quoi. Oh, j'ai pas réussi à la tuer, j'hallucine. Je suis triste. Je suis complètement triste. Bon, cette partie est quand même placée sous le signe de la complication. Mais c'est pas mal ça. Il va falloir que je paramètre ça. Ouais, je sais. Niveau skills, là c'est la fin, je pense qu'à la prochaine vague on succombe. 77, 78 à 22, on va galérer. J'aime bien cette map, elle est quand même très sympa. Le coup de séparer en deux, ça demande vraiment une grosse stratégie. Salut Rémi, bonsoit, bonsoit. Oh là là. Oh là là, elle va tellement me DPS elle. Elle est déçue. Ça tente tellement ce perso. Oh putain, cette Nova. Ah, j'ai réussi à en avoir un, mais la Nova a encore fait le taf, quoi. Comment elle s'appelle, elle? Sonia. J'ai réussi à avoir la Sonia. Ah, tu l'as eu, tu plaisantes, elle est encore là? Quoi? Non. TS Nakir, ouais. Non, 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 la Nova, oui. Mais justement, c'est parce qu'elle était là, mais moi j'ai eu l'autre, la Sonia. T'as eu le barbare, ouais. Mais c'est la Nova qui nous ruine. Ah, la là, Nova, mais laisse tomber, quoi. 29, 29-3, quoi. Dire, elle a fait du taf, quoi. Mais par contre, ouais, y a plusieurs trucs qu'il faut que je règle, c'est le Smartcast, si c'est possible, et le Camlock aussi, j'en peux plus de ce Camlock. Moi je le trouve agréable dans ce jeu. Ah, ça m'énerve d'engager sur un truc où tu vois pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Ça... Non mais déjà le ça problème m'embête. De réactivité en tant que serveur, déjà c'est ennuyeux quoi. Parce qu'on peut pas instant. Bon, je vais voir si dans les options qu'est-ce qu'on a là.
Graphique, sound, C'est les controls, options de StarCraft pour l'instant, étant donné que c'est le moteur de StarCraft. ouais. Donc on n'a pas grand-chose. Hein. Quick cast. Ah bah voilà. Où ça? Bah dans les options, dans gameplay. Pressing a hotkey instantly issues the order. On release. Pressing a hotkey enters targeting mode and releasing. Bah voilà, on release. C'est parfait. Ah bah non. Non, moi c'est le on justement, d'accord. Moi, je préfère le release. Ah bah ça c'est bien ça. Ça va changer le truc déjà. Ok, et après ce qu'il faudrait c'est... L'interface est par défaut, on ne peut pas la changer. Hop. Voilà. Enable camera follow désactivé. Language, English US ou English US. Bon bah voilà, on a fait le tour un petit peu. La semaine prochaine, on espère que dans 2 semaines plutôt, du coup, ils auront Ouais. changé les persos. C'est aussi pour ça que c'est bien qu'on fasse toutes les 2 semaines parce que ça évite de vous montrer les mêmes persos 2 fois de suite. Et puis le temps qu'on ait les sous pour en acheter, tout ça étant donné qu'on joue pas encore beaucoup, hein. On n'est pas spécialement encore investi à fond sur une alpha technique, C'est ça. clairement. Donc à voir, qu'est-ce qu'il y aura? Bon bah voilà, j'espère Va vous laisser en que compagnie de ça vous a Schizo qui est plu. complètement chaud, chaud patate. Et puis nous, on vous retrouve pour du Diablo la semaine prochaine. Et on espère que cette petite excursion par Heroes of the Hype, Heroes of the Storm vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie qu'on fasse des choses spéciales la semaine prochaine. On va certainement tester les persos qui seront dispo. Dans 2 semaines. Quand je dis la semaine prochaine, dans 2 semaines, voilà. Et sur ce, Et on va aller peut-être regarder la un peu semaine ce que donne le prochaine, combat. le patch, on sait pas. On sait pas. Non, Maybe. j'ai des doutes que ce soit la semaine prochaine. Je pense que ce sera l'émission dans 3 semaines. Mais vivi le si. Sur ce, Vive ici. Bonne soirée. Ciao. à bientôt. Ciao, ciao.